Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Honneur à la femme congolaise de la diaspora. Elle a le sens de l'observation, la réflexion soutenue, l'analyse tranchante lorsqu'elle a affaire à une dictature. Oh, quelle merveille! Quelle joie d'avoir Madame Agathe Babialankouka dans nos rangs. Sa dernière sortie mémorable, piochée sur Facebook, est un délice incontestablement. La cible, un certain Sassou Denis, le Ngaya, le dictateur que la planète entière nous envierait soi-disant. Sacrilège! De quoi s'agit-il, monsieur l'indigné Elvis Karel Kapou? Allez-y à l'essentiel directement, au lieu de nous faire languir. Calmos. Écoutez, maman, la sœur, Tata Agathe Mabialankouka écrit et ou dit, je cite, « Cette image est honteuse. Elle présente tous les signes d'un chef paresseux, inactif et insouciant. Que fait un fauteuil comme ça dans l'herbe, dans un jardin mal entretenu? Mais mes compatriotes autour de Sassou, ayez du bon sens. » Fin de citation. Ich, Sassou Denis Mathurin, le petit frère de son épouse, est comme toujours à côté de la plaque. Assalamu alaikum à Solonté, c'est l'ombrieur. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.